Esdras, chapitre 2. Or voici ceux de la province qui remontèrent de la captivité, d'entre ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait transportés à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville, qui vinrent avec Zorobabel, Jeshua, Néhémie, Seraja, Réélaja, Mardoché, Bilshan, Mispar, Bigvai, Réhum et Bana. Nombre des hommes du peuple d'Israël. Les enfants de Parosh, 2172. Les enfants de Shephatia, 372. Les enfants d'Arak, 775. Les enfants de Pakat Moab, des enfants de Jeshua et de Joab, 2812. Les enfants d'Élam, 1254. Les enfants de Zatu, 945. Les enfants de Zakai, 760. Les enfants de Bani, 642. Les enfants de Bebaï, 623. Les enfants d'Asgad, 1222. Les enfants d'Adonikam, 666. Les enfants de Bigvai, 2056. Les enfants d'Adin, 454. Les enfants d'Ater, de la famille d'Ézéchias, 98. Les enfants de Betsaï, 323. Les enfants de Jora, 112. Les enfants de Hachum, 223. Les enfants de Gibar, 95. Les enfants de Gibar, 95. Les enfants de Bethléem, 123. Les enfants de Netopha, 56. Les enfants d'Anatoth, 128. Les enfants d'Azmavet, 42. Les enfants de Kirjat Arim, de Kephira et de Beeroth, 743. Les enfants de Rama et de Geba, 621. Les gens de Micmas, 122. Les gens de Bethel et d'Aï, 223. Les enfants de Nebo, 52. Les enfants de Magbish, 156. Les enfants d'un autre Élam, 1254. Les enfants de Harim, 320. Les enfants de Lod, de Hadid et d'Ono, 725. Les enfants de Jéricho, 345. Les enfants de Séna, 3630. Sacrificateurs, les enfants de Jedaéja, de la maison de Jeshua, 973. Les enfants d'Imer, 1052. Les enfants de Pashur, 1247. Les enfants de Harim, 1017. Lévites, les enfants de Jeshua et de Kadmiel, d'entre les enfants d'Odavia, 74. Chantres, les enfants d'Azaph, 128. Enfants des portiers, les enfants de Shalum, les enfants d'Ater, les enfants de Talmon, les enfants d'Akub, les enfants de Hatita, les enfants de Shobai, en tout, 139. Nétiniens, les enfants de Tzika, les enfants de Asufa, les enfants de Tabaot, les enfants de Kéros, les enfants de Siaa, les enfants de Padon, les enfants de Lebana, les enfants de Agaba, les enfants d'Akub, les enfants de Agab, les enfants de Shalmaï, les enfants de Hanan, les enfants de Guidel, les enfants de Gachar, les enfants de Réaja, les enfants de Retsin, les enfants de Nekoda, les enfants de Gazam, les enfants d'Uza, les enfants de Paseak, les enfants de Bessaï, les enfants d'Asna, les enfants de Mehunim, les enfants de Nefusim, les enfants de Bakbuk, les enfants de Akufa, les enfants de Harur, les enfants de Batslut, les enfants de Meïda, les enfants de Archa, les enfants de Barkos, les enfants de Sisra, les enfants de Tamak, les enfants de Netsiak, les enfants de Atifa, enfants des serviteurs de Salomon, les enfants de Sotaï, les enfants de Sopheret, les enfants de Peruda, les enfants de Jaala, les enfants de Darkon, les enfants de Guidel, les enfants de Shephatia, les enfants de Hatil, les enfants de Pokeret Hatsebaim, les enfants d'Ami. Total des Nétiniens et des enfants des serviteurs de Salomon. 392. Voici ceux qui montèrent de Tel Mélak, de Tel Archa, de Kérub Adam et d'Imer, et qui ne purent indiquer la maison de leur père, ni leur race, ni s'ils étaient d'Israël.
les enfants de Delaja, les enfants de Tobija, les enfants de Nikoda, 652. Des enfants des sacrificateurs, les enfants de Abaja, les enfants de Kots, les enfants de Barzilai, qui prit pour femme une des filles de Barzilai, le Galadite, et fut appelée de leur nom. Ceux-là cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne se retrouvèrent point, et ils furent exclus du sacerdoce. Le gouverneur leur dit qu'ils ne mangeassent point des choses très saintes, jusqu'à ce qu'un sacrificateur pût consulter avec l'Urim et le Thummim. L'assemblée tout entière était de 42 360, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337, et ils avaient 200 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6 720 ânes. Et plusieurs des chefs des pères, quand ils vinrent à la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablisse sur son emplacement. Ils donnèrent au trésor de l'ouvrage, selon leur pouvoir, 61 000 darics d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques de sacrificateurs. Les sacrificateurs, les lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les nétiniens habitèrent dans leurs villes. Tous ceux d'Israël furent aussi dans leurs villes.